La province du Nord-Kivu produit environ 1 million de tonnes de minerais chaque année, notamment les coltans et la cassiterite. Mais les recettes sont minces à cause de la fraude entretenue par des civils, des militaires ainsi que des groupes armés. Exemple, les mois derniers, 6 véhicules d'ONG humanitaires et des particuliers ont été interceptés par les services de sécurité en provenance de Massissi, une zone minière située à plus de 80 km à l'ouest de la ville de Goma. Pour les ministres provinciaux des mines, c'est une perte énorme pour la province. Au courant de cette année, nous avons saisi plusieurs cas de fraude. Mais aujourd'hui, il y a des cas qui dépassent les attendements. Vous voyez ici un cas que nous venons de saisir ce matin, à la grande barrière entre le Nord Kivu et le Rwanda. Et malheureusement, ce véhicule ici, on trouve dedans un carnet de bord qui montre que jour par jour, il est transporté en moyenne 5 tonnes de coltan ou 5 tonnes de nos minéraux à destination du pays voisin. La camionnette fait 12 tours par jour. Notre pays, notre province manque pourtant de ressources alors que des devises qui seraient rapatriées à partir de la vente de ces minéraux pourraient servir, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Différentes stratégies sont utilisées par ces présumés fraudeurs pour faire sortir des minéraux des zones d'extraction pour la ville de Goma. Des femmes qui faufilent des colis dans leurs vêtements et des motocyclistes qui versent des matières brutes dans les réservoirs de leurs motocyclettes. D'autres, dans des bidons remplis de lait, c'est les grands décédés jeunes hommes attrapés à la barrière sortant du territoire de Massissi pour la ville de Goma. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière promet, malgré les difficultés auxquelles est confrontée cette région trouble du Kivu, de doubler de vigilance. Vous avez demandé pourquoi il y a cette recrudescence. C'est parce que les gens ont compris que nos services sont tout faits. Maintenant, il faut utiliser des services des ONG, tant nationales qu'internationales. Donc, il est tout intérêt que le pouvoir central à Kinshasa nous vienne en aide. La société civile du Nord Kivu, quant à elle, demande un procès exemplaire pour ces présumés fraudeurs arrêtés. Nous demandons aux autorités de la République démocratique du Congo de montrer qu'ils ont la volonté et de faire un procès exemplaire en RDC, mais aussi la communauté internationale, qu'il y a des crimes économiques ici chez nous, que ces gens-là qui se donnent au commerce illicite de minéraux puissent répondre dans les actes. Le gouverneur joue à l'apaisement pour ceux qui demandent un procès, tout en condamnant les pays voisins qui seraient impliqués de près ou de loin dans cette fraude minière depuis des décennies en finançant des multiples groupes armés au Nord Kivu. Les dossiers sont entre les mains de la justice. Ça fait mal. Pas seulement mal aux autorités, disons aux fraudeurs congolais, mais ça fait mal à tous les acteurs internationaux qui sont dans cette mafia. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui se sont déjà improvisés producteurs de minéraux alors qu'ils ne disposent d'aucun puits. Il y a même des pays qui enfouissent les minéraux qui viennent du Congo pour les exploiter en les déterrant. Il y a peu de comptoirs d'achat des minéraux opérationnels à Goma et la frontière sur les lacs Kivu n'est pas bien surveillée par les forces navales qui n'ont pas des moyens suffisants pour cela. Certaines hautes personnalités du pays sont accusées de protéger l'ère Sibartène qui serait impliquée dans la fraude minière ici au Nord Kivu. Et Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.